Qui sentiment même je dis alors recouvrer liberté. On a invité la presse, mais ne va pas les dire. Merci beaucoup. Merci la presse. C'est un désordre généralisé. C'est un désordre inacceptable parce que moi-même, je prends position comme étant défenseur des droits humains. Je m'a toujours dit. Ou pas qu'à condamner au monde, pas avant que le tribunal rende une décision. Et m'a dit, nous avons les mêmes griefs avec la DCPJ. C'est que dans le rapport de DCPJ, chargeons mettez sous monsieur, c'est des bagages qui n'existent nulle part. Et m'a dit encore, nous-mêmes comme avocats à niveau de Port-au-Prince, nous avons voulu apporter notre solidarité parce qu'il y va d'un avocat, il y va de la vie d'un avocat, il y va de la dignité d'un avocat. Il y va du travail d'un avocat. C'est la raison pour laquelle nous-mêmes, comme avocats, accompagnés du secrétaire général de l'Ordre, nous nous sommes déplacés pour dire, ces messieurs, malheureusement, ont commis une imprudence, mais ils faisaient leur travail. N'était-ce pas l'intervention du courtier, ils seraient passés de vie à trépas. Parce que la population, on dit, c'est bois calé dans le bayou. Et nous dit, moi-même, nous dit encore, pourquoi avoir publié les photos, bien la photo de ces messieurs, pendant que eux, ou pas Kébéo, ont flagré délit. Et malheureusement, il existe une cellule au sein de la DCPJ qui évoque des infractions. Et me t'en remets qu'on est, est-ce que DCPJ pas mon avocat qui expert, Kabedel. Moi-même, comme avocat, voilà le conseil que j'aimerais prodiguer au directeur Lecomte. Monsieur Lecomte, je m'appelle Arnel Rémy, je suis avocat. Faut ou bon cabinet d'avocats qui travaillent avant pour les cellules, pour les policiers, à travers ce rapport de quête, ils ont utilisé les infractions, ils n'ont pas humilié, ils n'ont pas blasé monsieur. N'a fini pour dire, la bataille n'a pas été facile. Nous tenons à remercier le commissaire Edgar Guillaume. Nous tenons à remercier le secrétaire général. Ils font un travail impeccable. Et je le dis, mes confrères du barreau de Biobalais, faites votre travail. Avec beaucoup plus de professionnalisme. N'a toujours pas de solidarité, n'a toujours bataille. Vive le respect des droits humains. Est-ce qu'il a retiré les droits humains? Nous te prenons que c'est présumé innocent que vous êtes. Là, nous te prenons connaissance de dossier. Nous rendons compte que pas gagné un lien qui n'a dossier comme infraction qui est bien. Et c'est ça tout, commissaire Edgar Guillaume. Les rendre compte à partir de toute explication qui débaille et à partir des interventions avocates. Ma fait nous connaître. Nous remercier la police pour un seul bagage. Nous remercier la police pour un seul bagage. Parce que tout simplement, la police était venue, était accompagnée, monsieur Yo, dans le sous-commissariat pour essayer de fusil. Ok, exactement, dans la zone qui est là. Pour empêcher la population de pas agresser. Parce que justement, la police fin fait perquisition dans le cas là, il n'y a pas même des juges de paix à poser scellé. Si tu as gagné en position scellé qui est fait dans le cas là, avocats, qui sont des avocats qui formés, leur arrivé, ils n'ont pas jamais rentré dans le cas là. Donc, seul ça, même qui là, nous sommes capables de reprocher peut-être nos frères. Pour jeunesse, pour immaturité, c'est peut-être qu'ils fait montre d'imprudence. Pas de rien encore. Et c'est ça tout le commissaire a été comprendre. C'est ça qui fait que l'été voyait monsieur Yo aller la caille aujourd'hui. Je remercie toute la presse, je remercie tout avocat et nous connaissons ces solidarités qui pour renforcer la profession. Mais je dis tout que la DCPJ, la DCPJ, ça fait mal pour que à chaque fois moi intervenir dans la presse, c'est pour moi bailler des conseils à la DCPJ. Pour capable normalement, dans une situation, pour protéger vie au monde, pour capable déplacer avec le monde. La DCPJ n'est pas là pour lui faire monde. Abus. C'est vrai que monsieur qui doit faire un travail, certaines fois qui est très louable. Mais lorsque vous finissez par prendre des jeunes avocats, vous voyez que vous n'avez pas à le voler, vous faites un dossier, vous mettez vol pour vous là-dedans, vous mettez recel, vous mettez association de malfaiteurs, vous mettez abus de confiance, alors que au fond de vous-même, comme policier, demain, si tu veux être capable dans la même situation, vous connaissez son état, n'est pas ça.
ou sale, ou tentez, ou pas sale, ou tentez sale image de jeunes avocats que moi-même, moi t'ai en place, yo, que secrétaire l'ordre là, l'était en place yo, tout, et ou portez atteinte à dignité. Yo. Alors ce qu'on connaît, c'est peut-être une imprudence que vous faites, vous allez, vous portez, côté que peut-être la population est capable de m'interpréter ça, vous êtes capable de faire poser des actes contre vous qui ne pas mériter fait. Mais c'est ça qui fait que m'a demandé Frédéric Lecomte, qui est directeur central de la police judiciaire. C'est honnête que je connais, que j'ai expérience avec lui depuis l'heure où j'étais juge de paix. C'est un policier qui est bien formé. Je vous dis encore, et à chaque fois que j'ai une occasion, je vous dis de grâce, ce travail-là est beaucoup plus professionnel. Lorsque des gens vont voir le tribunal, voyez-vous dans le tribunal, voyez-vous de devant parquet, mais lorsque des gens, c'est des erreurs, sans que ne pas commettre aucune infraction pénale, de grâce, libérez-vous, et c'est peut-être ça qui n'est pas fait, qui fait que la prison est engorgée comme ça. Je remercie le commissaire Edler Guillaume avec le commissaire Cantave qui, eux-mêmes, n'ont pas rentré dans la logique que un pile commissaire qu'on a habitué à faire ici-là. Depuis le CPJ, vous voyez un dossier, on y voyait Mounio dans la pénitentiaire nationale. Non, je remercie le commissaire-là pour le professionnalisme, pour tant que lui prend, pour lui tendre, pour lui dossier. Et pour le temps des jeunes avocats, ensemble avec deux autres monsieur que je t'ai arrêté avec eux, et pour te rendre compte à partir de l'intervention avocat, que pas gagné lieu pour le voyer monsieur yo à péri dans la pénitentiaire nationale, j'en que gagne pile monde qui te souhaité ça. Ensemble, nous sommes toujours plus forts. Parce que c'est une profession que nous y est, nous sommes des professionnels, la profession d'avocat, c'est une profession qui est noble. Reste travail là, Baoua li a fait nos formations continues pour que nous capables de jeunes avocats, eh bien, gagner des bagages pour éviter de rentrer là-dedans. Bien que nous disons, il n'y a pas commis aucune infraction pénale. Donc, comme ça, nous pensons que nous avons renforcé Baoua et tout avocat, sans distinction, que vous avocat n'a pas au prince. Que vous avocat dans 17 autres juridictions, c'est même avocat, nous avons toujours campé pour vous pour que nous capables de faire respecter les droits. Merci beaucoup. Vous avez la vie. Oui. Nous avons la vie à 70 000 ans. Tous les 4 000 ans. Tous les 4 000 ans, tous les 3 messieurs ont libéré. Trois avocats. Est-ce que vous avez la vie à tous les 3 messieurs ont libéré? Oui, mais faut bien dire. Non. Oh,